Bonjour à tous et nous sommes donc en direct du salon de la plongée. Aujourd'hui, il n'y a donc que des connaisseurs dans cette salle. Alors justement, on va aller les tester. Est-ce qu'ils connaissent le hockey subaquatique? Suivez-moi, on va voir ça tout de suite. Il y a un sport cette année où on a été double champion du monde et vice-champion du monde. Est-ce que tu sais c'est lequel? Quand vous dites on, vous parlez de qui? Non, pas la moindre idée. Alors, champion du monde dans une discipline? Non, je pense pas que c'est en apnée, parce que si en apnée, parce qu'on a été vice-champion ou mais champion du monde, non, je pense pas, peut-être en dynamique. C'est une bonne question, je ne saurais pas vous dire comme ça. Vous êtes Aquaman, c'est ça? Comment? Vous êtes Aquaman? Non, je ne suis pas Aquaman, je suis un triton, d'accord. Donc un triton, c'est un homme poisson. Ok, subaquatique, vous en avez déjà entendu parler? Non, absolument pas. I have heard about it, yes, but it's nothing we do organize ourselves. I haven't heard. I don't know what it is. J'ai lu un article dessus effectivement une fois, mais j'y croyais pas trop. Je sais pas si c'était réel ou pas ou c'était un fake. Non, jamais. Non, non. Moi non plus, absolument pas. Non. J'en ai entendu parler, j'en ai vu un peu, mais je connais pas trop en fait. De hockey subaquatique? Oui. Bah, pas encore, mais vous allez m'en dire plus. Est-ce que vous connaissez le hockey subaquatique? Ouais, elle est pas très causante quand même. On verra ailleurs. Et est-ce que les tritons ont déjà entendu parler du hockey subaquatique? De comment? Le hockey subaquatique. Le hockey subaquatique, non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous passez le message aux autres tritons alors. Ça marche.